J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous fais une toute petite intro pour vous dire que j'ai repris ma chaîne de vlog. Je vous la mettrai en barre d'infos. Peut-être que vous le saviez, peut-être cette vidéo arrivera longtemps après que je l'ai reprise ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas elle est en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez été nombreux à me dire que vous n'avez pas eu la chance cette année de partir en vacances et que vous vous ennuyez fortement. J'ai déjà fait cette vidéo que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est des choses à faire quand on s'ennuie, donc c'est pas aller au cinéma, aller avec des amis, aller à la piscine, mais voilà, c'est des choses qui sont vues et revues sur YouTube. Et là j'avais envie de vous dire vraiment ce que je fais moi quand je m'ennuie vraiment. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et les amis, tout ça, merci, elle vous aura aidé. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse avec la suite et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Voilà. Alors la première chose que je vous dirais de faire, c'est de sortir dans la rue, même si c'est pas forcément pour aller voir des amis ou acheter quelque chose, mais c'est pour faire quelques petites photos pour Instagram ou se balader un peu histoire de voir le soleil. Là vous me voyez en train de vlogger à l'instant, que ma chaîne de vlog est en barre d'infos si ça vous dit. Donc voilà, juste prendre un bol d'air même s'il fait chaud, ça fait toujours du bien de marcher un petit peu. Ensuite la deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de cuisiner. Donc là moi en l'occurrence je faisais des cookies, je les ai bof bof réussi. Je vous conseille d'essayer des recettes que vous n'avez pas forcément l'occasion de faire d'habitude, ou des recettes où vous voulez vous perfectionner un peu. Je vous conseille de regarder vos anciennes photos, vous allez parfois vous surprendre. Donc là je regardais quelques petits albums photos de ma famille et de moi, mais franchement ça rappelle de bons souvenirs de regarder ces anciennes photos. Vous pouvez le faire seul ou entre amis pour qu'ils se moquent un peu de vous. Ensuite quelque chose qui vous détend beaucoup, c'est le shopping. J'aime beaucoup en faire, pas forcément pour acheter 40 000 trucs, mais c'est vrai que c'est toujours cool de se balader un petit peu, d'acheter quelques trucs. Ensuite une des choses qu'on ne pense pas mais qui est qui est quand même pas mal, c'est de réorganiser sa chambre. Vous pouvez inverser des chaises, vous pouvez aussi changer la déco de votre chambre. Donc là moi j'étais en train de mettre des photos Polaroid sur mon mur. Donc celles-ci elles viennent de chez Cheers et de La La Lab. D'ailleurs j'ai fait un partenariat avec eux, c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo. Je vous ai trouvé un petit code promo si vous voulez aller. Ensuite quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous faire un carnet avec tous vos rêves. C'est-à-dire moi par exemple là c'est mon carnet de New York, j'ai écrit toutes les adresses, tous les restaurants, tous les magasins, toutes les rues ou tous les lieux de tournage de séries où je rêverais d'aller aux États-Unis. Là je vais encore acheter quelques petites images à décorer dedans. Je regarde souvent sur Google Maps des petites rues où j'ai vraiment envie d'aller si un jour j'ai la chance de partir à New York. Je vous conseille aussi d'écouter quelques musiques, d'aller dans les playlists que vous trouvez sur YouTube, de tomber par hasard sur des chanteurs que vous connaissez pas vraiment, ou alors si vous aimez vraiment un artiste, par exemple on va dire Avicii, et que vous écoutez qu'une chanson de lui, cliquez sur cet artiste et allez découvrir ce qu'il fait ailleurs, les autres chansons qu'ils ont. Et franchement des fois on peut être surpris et c'est plutôt cool. Franchement elle rafraîchit, ça me colle pas et pénètre vite dans la peau. Je vous mettrai une image ici, franchement achetez-la, c'est la meilleure que j'ai testée.